Salut! C'est Nick Slaffer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez marrante. Ça s'appelle... Rire et délire. Rire et délire. En fait, c'est simple, je leur raconte 10 blagues. Mais celle qui aura ri le plus souvent se méritera un hot et crissement poche dans les commentaires. La première blague. Dites-moi, Madame Martin, pourquoi demandez-vous le divorce? Mon mari me traite comme un chien pour monsieur le juge. Ah, il vous le maltraite. Il vous empêche de sortir. Non, il voudrait que je sois fidèle. D'accord. Un kangourou peut-il sauter plus haut qu'une maison? Je sais pas. Tu sais pas? Bien sûr, la maison ne saute pas. Ok. Oh, Emmerich! Un point de rire. 1-0 Emmerich. Prochaine blague. Une mère dit à sa fille, les voisines racontent partout que tu couches. Gros, c'est parce que tu me caches. Une mère dit à sa fille, les voisins racontent partout que tu couches avec ton fiancé. Quelle mauvaise langue. Maintenant, dès que tu couches avec un garçon, on croit que c'est ton fiancé. Ok, en tout cas, prochaine question. J'ai même pas vu la blague. Quelle différence y a-t-il entre un PDG et un CDF? Je ne sais pas. Vous savez pas, hein? Le premier change de Mercedes chaque année et le second change de Porsche tous les jours. Ok, en tout cas. Ah, Emmerich, il a encore ri. 2-0. Prochaine blague. Change tes commandes. Hey, c'est pas pire comme vidéo, il va, ils en a. T'es un peu à chier. Un adjudant explique la théorie de la gravitation à un jeune recrue. Gravitation. Quand vous jetez une pierre en l'air, elle retombe sur le sol. C'est ça, la gravité. Parce que tu me caches. Et si la pierre tombe dans l'eau, demande un soldat. Dans ce cas, ce n'est plus de notre compétence, mon gars. C'est du ressort de la marine. Ok. Bon, ok. Savez-vous quelle est la définition du pet? Petit, enculé, Tetris. Tetris, c'est toi? Pourquoi tu répètes ce que j'ai dit? La fin du hein? C'est quoi, une chair 2004? Pet, c'est. Le pet est un vent qui passe entre deux collines pour annoncer l'arrivée du maréchal caca. Ok, en tout cas. T'as pas eu deux collines, c'est les fesses? Ouais. Quand les roues pètent, ça fait quel pays? La Finlande. Et toi? La Norvège. Et non. L'Irlande, non. C'était le Pérou. L'Haïti. Le Pérou. Petrou. Petrou, Pérou. Ah. C'est pas très drôle. Ris 2 à 1. J'ai ri à cause, j'ai dit Norvège. Justement. C'est une merde. Ouais. 2 à 1. La joke, j'ai ri et si c'est mon commentaire. Ça n'existe même pas un commentaire. Le cas, ça n'existe pas un commentaire. Tu sais quelle est la différence entre un flipper et une prostituée? Y'en a pas, on joue avec leur guinigui à chaque fois. Non, le flipper te met la pièce dans le ventre et tu joues avec la main. La prostituée te met la pièce dans, dans la main et tu joues avec la fente. Ok! Ah, quel est le singulier de Teletubbies? Teletubbies? Ouais. Teletubby. Ok, prochaine question. Non, il faudrait faire la vidéo parce qu'il faut pas que tu fasses une vidéo de même. Ah, elle est bonne la vidéo. Non, faut que tu fasses une vidéo comme ça. On regarde ça dans nos archives. Comme elle. Mais moi, je préfère mon style de vidéo. Non, parce qu'il y a personne qui préfère ça. Donc, ça va être tout pour cette courte vidéo. J'espère que vous avez aimé. La corvisse de mon gars. Vous avez dû gâcher, aussi. Sûrement que tes blagues étaient drôles en plus. Chris, mes blagues sont plus drôles que les tiennes. Ok. Avant de quitter, pour faire au moins une vidéo de 7 minutes, ils vont chacun vous dire une blague. Leur blague la plus drôle. C'est quoi la différence entre Nicolas et un gay? Je sais pas. Il y en a pas. Non, j'en ai pas. Désolé. Elle était excellente. Ok, moi, pour finir ça, un journaliste demande à un vieux, « Ah, monsieur, vous avez 95 ans. Quel est le secret de votre longévité? » Le monsieur, il répond, il fait, « À 6h, je fais pipi. Et à 6h30, je fais caca. » Le journaliste, surpris, il fait, « Ensuite. » Le monsieur répond, « Ensuite,
je me lève. Fait que laissez un pouce bleu là, puis abonnez-vous, partagez la vidéo, ben drôle là. Puis on remercie ces deux beaux jeunes hommes. Allez, add. Emric underscore 50 en Snapchat. Et un dernier petit défi. Mollusque.